Aujourd'hui, l'objectif, c'est de descendre de quelques degrés. 4 à 5 degrés serait fantastique et je pense qu'on va pouvoir les atteindre en se servant d'une façon naturelle, d'une ressource naturelle qui tombe sur chaque toiture et sur des toitures de plus en plus importantes et pouvoir la restituer sous dallage afin d'aller chercher cette différence de ressenti. Je pense que la végétalisation est le premier sujet des villes. La végétalisation au sol, en mettant des arbres, de l'herbe et des jardins à public, bien évidemment, mais la végétalisation des toitures est une priorité, parce que cette végétalisation va permettre de refroidir la ville. Mais si on met de la toiture végétalisée en toiture, il faut pouvoir l'arroser. Si on pense au vert sans penser au bleu, eh bien, on n'y arrivera pas. Et on a acté des aides régionales sur cette belle entreprise et donc j'avais besoin de venir à la rencontre, bien sûr, des équipes. Et ça représente effectivement toute la politique que souhaite mener la région, c'est-à-dire à travers son ADN qui est l'innovation. L'innovation pour avancer, pour avoir des réponses à des enjeux que nous devons relever ici en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau national, qui est bien sûr l'enjeu de l'eau.